Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir Polytechnique Montréal. Avec plus de 9 000 étudiants, dont près de 30 % d'étudiants internationaux issus d'une centaine de pays, Polytechnique est l'une des plus importantes universités d'ingénierie au Canada. On se trouve actuellement sur le Mont-Royal, au cœur d'un immense campus universitaire partagé par Polytechnique Montréal, l'Université de Montréal et HEC Montréal. Ceux qui ont toujours rêvé d'une vraie vie de campus seront choyés. Les étudiants ont directement accès à divers services comme des résidences universitaires, un centre sportif, une clinique médicale, de grands espaces verts et une artère commerciale animée. Et un autre avantage pour les étudiants, les trois pavillons de Polytechnique sont situés à moins de 5 minutes de marche de la station de métro Université de Montréal. Débutons notre exploration de Polytechnique par les pavillons La Sonde qui ont reçu plusieurs prix et certifications en matière de construction et de développement durable. Commençons ici dans l'une des nombreuses salles de cours des pavillons La Sonde. Les salles de cours de Polytechnique varient en taille, allant de grands amphithéâtres d'environ 120 personnes à de plus petites salles d'une trentaine de personnes. Les salles sont aussi équipées de systèmes multimédia pour assurer un environnement de formation de qualité et sont adaptées pour les étudiants à mobilité réduite. Je me trouve maintenant dans l'un des nombreux laboratoires informatiques des pavillons La Sonde. Les ordinateurs sont disponibles en tout temps et sont équipés d'une multitude de logiciels fréquemment utilisés dans le domaine de l'ingénierie. Polytechnique compte aussi plusieurs autres laboratoires d'enseignement où les étudiants peuvent y réaliser leurs travaux pratiques et leurs projets d'équipe. Nous voici dans le laboratoire d'analyse vibratoire et acoustique, l'un des nombreux et impressionnants laboratoires de recherche de Polytechnique Montréal. Avec son budget de recherche annuel de 100 millions de dollars, Polytechnique héberge une soixantaine d'unités de recherche et des laboratoires à la fine pointe de la technologie, ce qui en fait un pôle scientifique et technologique de calibre international. Grâce à ces infrastructures de recherche modernes, les professeurs et étudiants de Poly mènent des projets qui ont des répercussions majeures sur notre société en transformant nos façons de faire et nos modes de vie. Ici, au troisième étage des pavillons La Sonde, on découvre l'Atrium, un lieu important considéré comme le cœur de Polytechnique. Chaque semaine s'y déroule une multitude d'activités, comme des activités de la vie étudiante, des conférences, des événements carrière et grand public. Les quatre couleurs distinctives de Poly qui sont omniprésentes dans le pavillon sont le rouge, l'orange, le vert et le bleu. Ces couleurs représentent quatre grandes composantes de notre planète, soit le magma, la croûte terrestre, la végétation et le ciel. Sans aucun doute, l'élément le plus spectaculaire que l'on peut visiter à Polytechnique est la station Polytechnique Alstom. Ce projet étudiant d'envergure a mené à la reconversion et à l'installation d'une voiture de métro MR63 dans l'Atrium. Inaugurée en 2019, station Poly a permis d'aménager un espace pour la promotion du bien-être de la communauté étudiante. On quitte maintenant l'Atrium pour se diriger au Polyfam Normand-Bray, un espace de création et d'entrepreneuriat accessible à toute la communauté de Polytechnique. Le Polyfam Normand-Bray appuie les étudiants et les employés de Poly dans la réalisation de projets personnels ou le démarrage d'une entreprise. Le Polyfam propose un environnement de travail et d'apprentissage actif et collaboratif et de l'équipement de pointe pour la conception de pièces et de prototypes. Les passionnés d'ingénierie seront servis. On trouve au sixième étage des pavillons La Sonde l'une des nombreuses aires de restauration de Polytechnique qui propose une variété de repas et de collations matin, midi et soir. Cet espace s'ouvre directement sur la terrasse extérieure de Poly, un autre endroit adoré des étudiants. La terrasse des pavillons La Sonde offre une aire de détente avec une vue panoramique à couper le souffle sur le campus et sur le côté nord de la ville. Les amateurs de coucher de soleil ne seront pas déçus. Situé au 7e et 8e étage des pavillons La Sonde, la bibliothèque Louise Lalonde-Lamarre compte l'un des plus importants fonds documentaires en sciences et génie au Québec. Avec ses nombreux postes de travail individuels ou de groupe équipés de systèmes multimédia, la bibliothèque est l'endroit idéal pour préparer ses examens et réaliser ses travaux d'équipe. Quittons maintenant les pavillons La Sonde pour aller explorer le pavillon principal. Nous allons emprunter le tunnel accessible à partir du 6e étage des pavillons La Sonde. Croyez-moi, ce tunnel est fort apprécié de ceux qui veulent éviter la pluie et le froid de l'hiver. Bienvenue à la cafétéria du pavillon principal. Avec ses menus diversifiés, elle sert plus d'un millier de repas chaque jour aux membres de la communauté de Poly.
C'est ici, au deuxième étage du pavillon principal, que se trouve le centre névralgique des services offerts aux étudiants. On y retrouve au même endroit le registrariat pour tout ce qui concerne les admissions, les inscriptions, les horaires de cours. Également, l'équipe du service aux étudiants qui leur offre divers services pour les appuyer tout au long de leurs études et aussi l'espace réussite qui offre notamment des séances de tutorat. On retrouve également dans cette zone un comptoir alimentaire, la boutique Coop Poly pour tous vos besoins en matériel scolaire, les bureaux de l'Association étudiante de Polytechnique et finalement le studio de la radio étudiante Polyrad. Et c'est ici à l'extérieur des pavillons que notre visite se termine. Nous espérons vous avoir fait découvrir plusieurs nouveaux aspects de Poly et vous avoir donné envie de vous joindre à l'une des plus grandes universités canadiennes d'ingénierie. À bientôt et au plaisir de vous croiser sur le campus!